Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Noël pour vous donner des idées de cadeaux, parce que je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui s'y prennent à la dernière minute et qui n'ont toujours pas d'inspiration ou d'idées pour les cadeaux de Noël. Je vous explique le concept, c'est très simple, je suis allée dans un centre commercial où il y a plein de magasins, je me suis promenée un peu partout et à chaque fois que j'ai vu un objet qui pouvait d'après moi être une bonne idée de cadeau de Noël, je l'ai filmé tout simplement. Le but c'est pas de vous présenter des objets précis, des marques en particulier ou des magasins, c'est simplement de vous donner des idées d'objets qui peuvent être des bonnes idées de cadeaux de Noël. C'est pourquoi dans cette vidéo je ne préciserai pas les magasins, c'est simplement pour vous donner de l'inspiration. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. La première idée de cadeau de Noël, c'est une bougie. Les bougies, c'est joli, c'est décoratif, ça sent bon et c'est un cadeau petit prix et facile à trouver, surtout à l'approche de Noël. On est en hiver, il commence à faire froid, alors pourquoi ne pas offrir une jolie bouillotte? C'est un cadeau qui plaira aux petits comme aux grands. Dans la famille des bouillottes, il y a les chaussons bouillottes, c'est original, alors pensez-y pour les frileux des pieds. Pour un cadeau petit budget, si tu n'as pas d'idée, il y a les carnets, c'est toujours utile. Cadeau que j'adore, c'est une tasse. Il existe tellement de jolies tasses que le plus dur sera de faire le bon choix. C'est un cadeau pour tous et c'est utile car c'est un objet du quotidien. Pourquoi ne pas offrir une guirlande de boules lumineuses? C'est un objet décoratif qui plaira à coup sûr. Je suis tombée par hasard sur ce plaid en fourrure tout doux. Pour un cadeau cocooning, pensez au plaid, c'est parfait. Pour un cadeau coloré et fun, offrez une bonbonnière. Je suis sûre que ça plaira à tous les gourmands. Vous n'avez aucune idée de cadeau? Tout le monde a des pieds, alors pourquoi ne pas offrir des chaussons? Ah, pas bête, vous n'y avez pas pensé. Pour un cadeau plus orienté mode, tu peux offrir un vêtement comme un pull par exemple. Évidemment, il vaut mieux connaître les goûts de la personne et sa taille aussi. Toujours dans la catégorie mode, pensez aux accessoires de mode, une écharpe ou un bonnet par exemple, et en plus, c'est la saison. J'ai trouvé ces jolies gourdes design et je me suis dit que c'était une super idée de cadeau parce que boire tout au long de la journée c'est essentiel et il vaut mieux s'équiper d'une gourde. Pour un cadeau personnalisé, vous pouvez offrir des cadres ou encore des accroches photos décoratifs que vous aurez personnalisés avec des photos souvenirs. Dans un magasin, je suis tombée sur cette tirelire. Je trouve que c'est une idée de cadeau original et décoratif. Toujours dans la catégorie cadeau déco, vous pouvez offrir une light box. C'est une boîte lumineuse et personnalisable avec un message. Vous pouvez aussi offrir de la vaisselle design. En tout cas, moi j'adore cette idée de cadeau. Pour mes photos Instagram, ça serait parfait. Une idée de cadeau qui surprendra, les insectes comestibles pour l'apéro. Probablement le plus original et improbable de tous les cadeaux. Et en plus, c'est trop bon. Croyez-moi, j'ai testé ces insectes dans une autre vidéo. Et enfin, le cadeau indémodable qui fait toujours plaisir, le thé.
Il en existe une multitude, tous plus originaux les uns que les autres, ça plaira aux amateurs de thé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu juste en dessous, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer un super abonnement en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Retrouve-moi sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Et je te propose de marquer en commentaire le nom d'un objet qui d'après toi est une bonne idée de cadeau ou que t'aimerais bien recevoir. Comme ça, ça pourra aider tout le monde. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut! Et n'oublie pas que tu peux cliquer ici et ici pour voir mes autres vidéos. Allez, clique. Bon, tant pis.